Allez, Benjamin Lévy. Et voilà. Il s'amuse. Attention. Je pense que ce qui me réussit, c'est que je suis un peu à l'opposé de tous les autres et que j'ai pas peur de partir même au début de la course. Tous les jours quasiment, à part le premier jour, je suis parti. J'ai aussi pris une bordure. Maintenant, il faut apprendre et peut-être que c'est dans les moments où on apprend qu'on devient plus fort. Et pour mon premier tour de la Guadeloupe, être maillot jaune provisoire avec une victoire d'étape le même jour, je pense que c'est énorme. On verra pour la suite. Bien sûr que je vais le défendre. Si je l'ai eu, c'est pas pour le laisser demain. Après voilà, je reste humain. Tous les jours, je suis au combat. Je pense que demain, il va falloir que je me calme parce que là, si je pars, vu que je suis maillot jaune, j'ai l'étiquette. Donc là, c'est fini. Maintenant, il faut vraiment que je prenne mes responsabilités. Je vais les prendre et je vais bien dormir, bien me reposer. Demain, c'est chez moi en plus que ça se déroule, donc à Petit-Bourg et le Lamentin, donc aussi à mon club. Je connais bien la bosse. C'est moins dur qu'aujourd'hui, mais c'est piégeux. Et puis on verra. Ah oui, c'est tout un symbole pour moi parce que on a voulu. J'ai manifesté depuis l'an dernier, j'ai dit à Frédéric Théobal, il faut qu'on ait aussi une étape en montagne à vieux habitants. Il a suivi ma demande et ça nous a demandé. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent parce qu'on achète l'étape. Ça coûte de l'argent pour l'organisation parce que ça fait quasiment plus de 3 mois, 4 mois en lien avec le comité. On prépare cet événement-là, l'arrivée. Et je suis content parce qu'on a un Guadeloupéen qui gagne. Un deuxième, c'est un Guadeloupéen aussi. Un Guadeloupéen qui prend le maillot jaune. Je suis content aussi parce que les agents, mon équipe municipale, les élus ont été mobilisés et ont fait preuve de sérieux, de rigueur et qu'on a pu avoir cette belle arrivée. Parce qu'avoir une belle arrivée, c'est pas claquer les doigts, c'est travailler tous les jours, c'est mettre en place une organisation, c'est mettre en place un protocole, c'est mettre en place une démarche projet. Ils l'ont fait avec le comité, avec Madame Maréchaux. Et je la félicite parce qu'elle a fait un travail formidable. Ils sont venus à plusieurs reprises en mairie pour travailler avec nous, pour qu'on puisse avoir. Et offrir aux Abyssois, offrir aux jeunes de la Côte-sous-le-Vent, offrir aux Guadeloupéens, offrir quasiment aussi parce que le tour est suivi au niveau international, offrir au monde entier cette belle victoire. Et surtout aussi cette belle espoir parce qu'on a des jeunes qui ont manifesté leur talent, qui ont exprimé leur talent. Et on a eu des victoires, mais on a eu aussi d'autres jeunes qui sont bien classés, qui se sont bien comportés pendant cette étape. Oui, et puis ce matin, j'ai été accompagné par une championne du monde. Je scrim, c'est Coaline Vidalis, et donc qui va nous a fait le plaisir d'être l'invité d'honneur avec Anita Blaze, avec la région. Donc on a avec nous aussi donc les habitants Terre de Champion autour de Teddy Riner, autour de Coaline Vitalis, autour de DJ Dinard et d'autres, le jeune Gombo, le jeune Big qui frappe à la porte du club de basket, de foot ou de basket de la France ou bien de hand. Donc les habitants, oui, Terre de Sport. Mais ça, il faut aussi le fructifier, il faut aussi le travailler. Donc ça demande aussi à la municipalité de travailler dans ce sens. D'encourager tous les citoyens, tous les bénévoles qui œuvrent dans les clubs, qui œuvrent à l'ECO, qui œuvrent à Kaoulé, qui œuvrent à la GSVH et d'autres clubs de vieux habitants pour faire que les jeunes puissent s'exprimer et que les talents puissent s'exprimer en Guadeloupe.